Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica. Nous sommes donc sur l'île avec le canon, vous savez, dans la base des précurseurs, hein, ce qu'on appelle les précurseurs, c'est les différents aliens dont nous avons pu croiser la technologie dans cette série. Nous allons tenter de trouver les clés. Alors, les clés, apparemment, il y en a 3 sur l'île au total, une qu'on peut trouver plus bas et 2 sur l'île en dehors. J'en ai donc trouvé une et utilisé une. Il en faut 3 pour utiliser pour rentrer dans toute la base. Je vais donc aller chercher la seconde sur cette île. Et on verra bien ce que j'y trouve. Le soleil se couche. Normalement, j'ai rechargé ça. Non, je ne l'ai pas rechargé. Tant pis. De toute façon, je peux lui mettre... crac. L'autre pile à 32 points. C'est pas grave. Alors, on va trouver normalement une deuxième... plaque, si je puis dire. Deuxième clé, quelque part. Autant chercher. Bah. Qui cherche trouve. Voilà. J'ai pas l'air. Non, le suicide, c'est pas une aventure qui me dit. Ça, c'est clair. Par contre, je vais peut-être aller bouffer un coup avant. Aller bouffer un coup avant vu qu'on est juste à côté. J'ai mis un lit, peut-être dormir aussi au passage. Je sais pas. Crac. Voilà. On va aller bouffer. Manger. Manger. Oula. Lag pas trop, je lag pas trop. Voilà, on est full bouffe. On repart. Par contre, effectivement, je me suis peut-être garé un poil loin. Hein. Je suis d'accord. Ça éclaire pas des masses, hein, cette histoire. Hein. Ok. Ah bah. Ah non, elle est brisée, celle-là. Ok. Ok, c'est assez inattendu, hein. Plus long à télécharger que ce que j'imaginais. C'est étrange. Ok, progressons. Normalement, on a besoin que de 3. Mais de ce que j'ai pu en comprendre, il y en a 8 au total sur toute la zone. Donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose quand on trouve les 8. Hein. Clairement... Cela me semble obvious. Ok. On y est presque. On a donc atteint le point où nous en étions la dernière fois. Ça, c'est cool. Plus vite que ce que je pensais aussi. Donc ça, c'est encore mieux. Mais bon. Je sais pas si... D'accord. Donc apparemment, ouais, il y a besoin des 8, finalement. Mais c'est optionnel pour le reste. D'accord. C'est une moon pool. Ok. Alors question, si j'amène le cyclope là-dedans, est-ce qu'il se passe quelque chose? Parce que ça a l'air d'être fait pour, hein, si je puis dire. Hein. Désolé, mais là... Ok. C'est gênant comme bruit. Oh, d'accord. Alors, je voudrais le scanner ce truc-là, au passage. Self-scan, au fait. Comment je suis? Je suis en forme? Je suis... D'accord. Ça, c'est marrant, il y a une autre porte là-bas. Non! Non. Moi, je veux d'abord monter.
Ça semble être la fin là-bas, donc non, je vais pas aller. Ah. Ah. Encore une en haut? Non, moi il n'y en a qu'une dedans. On m'a dit qu'il y en avait qu'une dedans. Salle de contrôle. D'accord. Sésame. Merci. C'est joli en tout cas. Bon, ça c'est pointless comme, comme couloir par contre, hein. Ça sert strictement à rien. Je vais quand même faire le tour des fois qu'ils aient planqué 2-3 compos. Apparemment, c'est pas le cas. Ok. Donc j'imagine qu'ici c'est pareil, hein. Oula! Désactiver l'installation. Bonjour. Oula. Je t'aime pas. Tant qu'il n'y a pas un pic. Ah putain! Je crois que ça m'est arrivé dans l'œil, je sais pas pourquoi. D'accord, donc on est malade. Actuellement, nous sommes malades. Vous avez vu tout à l'heure avec le self-scan, hein, ça, avec ça. Oh la vache, 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, 1 km au-dessus de cette installation. D'accord. Oula. J'ai peut-être joué au con là. D'accord. Donc on a une deuxième installation qui est à 800 mètres. Je n'ai rien qui descend à 800 mètres à l'heure actuelle. Donc je parlais au début du présent épisode, chers amis, de... Non, moi je pensais qu'il allait se passer quelque chose, mais non. Je dois vous avouer que je suis un peu déçu là. Il faut que je les ferme, faut que je les ferme, c'est ça? Je sais pas. Non, non. Ça c'est un peu la déception. Je croyais qu'on devait censé, on était censé s'en servir comme d'une porte de ça. C'est marrant. Peut-être que ça a été désactivé suite à la mise, suite à sa mise à jour. Je ne sais pas. Tant pis. Bon, bah on aura fait l'exploration finalement, chers amis. Par contre, maintenant, du coup, ce qu'il nous faut, c'est une capacité à... Ah bah aller en plus, dans de plus profondes eaux, tout simplement. Hein. C'est aller plus en profondeur dans l'eau. D'accord. D'accord. Eh ben, y a du boulot. Donc faut qu'on rentre à la base avec le cyclope, qu'on voit comment on améliore ça. Donc je viens d'aller voir plus ou moins où on peut trouver. Je dis bien plus ou moins. Je viens d'aller voir le nom de la région en fait, tout simplement. Et donc je crois savoir plus ou moins où c'est. Le problème c'est que je vois le Subnautica Wiki en anglais, pour le coup. Et que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais bon. Je sais pas comment je vais me démerder pour trouver ce truc là. Ce biome là. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Je viens de penser à un truc là, mais j'ai jamais tenté ça.
échantillon d'arbre bulbe. Putain, ça donne de l'eau. Et t'as pas des graines à me donner? T'en doute pas. Putain, ça donne de l'eau à foison. Bon, allons-y. Hop. On retourne à la base, chers amis. Je pensais que ça allait me prendre plus de temps, à vrai dire. Je pensais que ça allait me prendre beaucoup plus de temps. Pour être tout à fait honnête. Crac. Ok, retour à la base donc. Mais bon, ouais, je suis assez... Je remarque aussi qu'on a perdu un petit peu d'énergie. Autant profiter de notre système de recharge actuel, chers amis. Hein. C'est pas de ce côté-là. Ah, le lit, c'est vrai, j'avais oublié le lit. Voilà, charge 0. 33. Voilà. Crac. 100 et 100. 0, 33. Voilà. Bonne recharge, les filles. Crac, c'est bon, on est presque chargé complètement. Voilà, la suite. Hop, la porte. Et on y va. Bon, bah ça se passe pas si mal, finalement. Donc voilà, ce qu'il va nous falloir maintenant, c'est améliorer. Alors peut-être créer le prawn assez vite, je ne sais pas. Une fois que le prawn sera fait, ou une fois qu'on aura amélioré, je pense plutôt qu'on va passer par l'amélioration du cyclope avant. Bien que c'est vrai qu'en termes de ressources, le prawn pourrait être plus intéressant. Le prawn pourrait être plus intéressant. Je sais pas comment on le construit, le prawn, au passage. Si c'est un véhicule ou si c'est autre chose. On va aller voir nos copains en haut, au-dessus de la base. On va voir s'ils savent le construire ou s'il faut qu'on le construise autrement. C'est vrai que j'ai des doutes. Salut les filles! Ok, chers amis, on y est. Bon, je fais un petit peu d'épisode cabri avec mon truc, mais on y est. Je vais juste aller voir maintenant. C'est ici qu'on fait le prawn. Je pense que oui, mais... Je viens de péter. Je viens de péter très très fort, apparemment, en plus. Hein. Voilà, monte. Est-ce que le prawn se fait ici? Le prawn se fait ici avec... Alors, je vais noter. Je vais noter, chers amis. Il faut que je note tout ça, parce que sinon j'oublie. Voilà. Hop. Crac. On a donc... Ah bah non, faudrait que tu me l'affiches. Cristal d'oxyde d'aluminium. x2. On a ensuite lingot de plastacier. x2. Ok, aérogel. Aérogel x2. J'ai pas l'impression que ce soit ce qu'il faut que je prenne tout de suite en fait comme truc. Lubrifiant x2. Ok. Bon, alors clairement, j'ai pas l'impression que ce soit la bonne chose à faire.
J'ai pas l'impression que ce soit la bonne chose à faire, puisqu'on n'a pas la moitié de ses compos. Ce qui est vraiment dommage. Ce qui est vraiment dommage. On va dive un petit peu, on va plonger. Je voudrais éviter tout contact avec le... la base. Si possible. Voilà. Crac. Et on est bon. Bon, ça fait toujours bizarre de voir la base à travers les murs, mais bon. J'imagine que ça va être changé assez rapidement. Ici. Ça, je vais les laisser dedans, parce que comme ça, je sais qu'ils sont, je sais où ils sont. Je vais récupérer la magnétite, l'uranite. Hop. Et forcément, tout ça. Crac. On y va. Oula. Oula, non, pas encore. Pas deux fois. Pas deux fois. Alors là, ça, c'est vraiment chiant, chers amis. C'est vraiment très, très chiant. Alors, ça fait plusieurs fois que ça me fait ce bug-là. Enfin, ça fait deux fois que ça me le fait. Hop. Voilà. Faut que j'appuie sur F8 ensuite. Disable console. Warp me, ça devrait suffire normalement. On va voir. Voilà. Bon, c'est bon. On est sauf. C'est quand même bien dégueulasse comme, comme bug, hein. Ok. C'est quand même bien dégueulasse. Ça c'est bon, on va aller boire un coup. Oula! Oula là! Merde, mon inventaire est plein, c'est vrai. Fais chier. Fais chier, fais chier, fais chier. Voilà. Crac. Ah, je vais y aller deux par deux, c'est pas grave. Il faut là, faut que je remette de l'énergie en fait, tout simplement. Ne pas se tromper, clic droit. Voilà. Sans doute devoir aller en remettre aussi là, non, même pas. Tu ne peux pas me flouer. Je suis désolé. Voilà, ça, ça fait du mal par où ça passe. Crac. Voilà. Et donc je peux boire un coup maintenant. Ah, en décomposition. Tant pis, je les mange. Je vais être malade, mais je les mange. Hop. Voilà, parfait. On est full life. Ça, c'est une très très bonne chose. Qu'est-ce qu'on avait mis là-haut déjà? Un deuxième truc, exact. Allez, je peux en avoir que deux, je suis con. Hop hop hop. Voilà. Un troisième. J'ai dû dire deuxième, mais je crois que c'est un troisième. C'est pas grave. Bon, maintenant on est full énergie, ça va remonter petit à petit. Ok, donc ça c'est bon. Ici. Amélioration de Cyclops. Balance de pression, ça je l'ai pas. Je sais pas ce que c'est. Si, je vais peut-être l'avoir le premier. Cristal d'oxyde d'aluminium, je ne l'ai pas par contre. Amélioration du CMOS, balance de pression, balance de pression. Donc, je pourrais le faire aller bien plus profond, littéralement. Palme, palme de charge, je ne sais pas si je les ai reprises. Je ne sais plus. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des ondes, donc je peux remettre celle-ci. Ok. Toi, t'as rien à me dire de plus. Toutes les piles sont rechargées. Je m'occupe de ça. Crac. Ah merde, on a encore une... On a encore une fuite, c'est chiant. Bon, on va s'occuper de ça dans cet épisode, chers amis. Je suis désolé, mais là, là il faut... Il faut... qu'on s'occupe de tout ça. Là, il va nous falloir masse compo, c'est pas grave. Il faut qu'on améliore la base. Clairement, là, c'est une nécessité. Vous avez bien pu voir le nombre de fois on a eu des emmerdes de ce type.
Du coup, il faut que je mette. Alors oui, j'ai trop de piles sur moi aussi. Il faut que je pense à ça. Bon, là, ça va de ce côté-là. Crac. Le soleil se couche, c'est génial. Et là, on est bon. Ça, le canon à propulsion. Faut que je le recharge aussi. Voilà. Ok. Donc, maintenant. Crac, et le reste sont des piles complètement chargées. Donc si je peux les mettre quand même, c'est pas grave. Ok. Tant mieux. Donc on est chargé partout sinon. Ou presque. Le scanner. Ok. Ok, ok. Donc ça c'est bon. On y va doucement, chers amis. On y va doucement, ça vaut mieux. Ici, si je veux améliorer, sécuriser et solidifier surtout, il va me falloir du lithium. Du lithium à foison. Et c'est bien la seule chose que je peux faire, ou presque. Hein. Vous voyez, plus 2, alors là, ça m'apporte plus 7. Donc, il va me falloir du lithium. Le lithium, je vais pas en avoir des masses pour l'instant. Je vais aller en chercher en bas. Je vais aller en chercher en bas, ça va être rigolo aussi comme histoire, ça. Si ça finit par mal se passer, la recherche, par contre, chers amis, on va peut-être prendre le prawn finalement. Le problème, c'est que j'ai pas la moindre idée de comment je suis censé récupérer tous ces compos, quoi. Hop, du lithium, du lithium, du lithium. C'est très très bleu là-bas. Encore du lithium. Du lithium. Du lithium. Parfait. On peut remonter à la base. Je pense qu'on en a suffisamment pour quelques temps. Question, est-ce que je peux remonter par le... Ah ah. Oui, apparemment. Ok, cool. Et puis ça sécurise mon inventaire comme si de rien n'était. Parfait. On ira... Crac. Là, je peux pas. Là, je peux pas forcément. Hop. On va essayer de dépasser les 100. Plus 14, ok. Bon bah, pourquoi pas. Je sais pas ce que ça change en fait, véritablement. Je sais pas si ce que je fais est bien ou pas. Est-ce que ça améliore véritablement quelque chose ou pas, tout bêtement. Ça, j'en ai pas la moindre idée en fait. C'est ça le truc qui est un peu dérangeant. Ok, bon. Ah non, c'est le... Là, d'accord, ok. Ça, je prends. Du coup, j'ai masse lithium maintenant. Il va clairement me falloir plus de coffres aussi. Hein. Ça, c'est clair que là, pour le coup, je suis pas bon en termes de coffre. Je crois que pour le coffre, il va me falloir du quartz à foison aussi. Et je crois que le quartz, c'est encore une fois quelque chose dont je manque, comme souvent, malheureusement. Donc bon. Dodo. Je veux qu'il fasse jour. Je veux qu'il fasse jour. Bon. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est pas grave. Ok. Bon. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Et peut-être que je ferais que je lise les logs. Et peut-être qu'en lisant les logs, ça me débloque des choses. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ok. Ok. Chiffré. D'accord. Intéressant. D'accord. Hypothèse, hypothèse.
Je sais pas si en fait en ouvrant ces trucs-là, je vais peut-être débloquer un signal ou un truc comme ça. 19, d'accord. La merde! Ok. Bon, au niveau de la faune et de la. En goûteur. D'accord. Traite level moyen. Ah, quand même. Berceau rouge. D'accord. Cristodion. La vitesse d'évasion. D'accord. Technique. D'accord, c'est tous les objets que j'ai pu. Scans of available alien data indicate the presence of a second facility elsewhere. D'accord, ça c'est ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. Ok. D'accord. Bon. On n'a clairement pas ce qu'il faut en termes de profondeur. Donc bon. Nous les amis, je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo. En tout cas, on va essayer de trouver un petit peu des solutions maintenant. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, à la commenter, à la partager, à vous abonner. Rejoindre la Playroom, tout simplement le groupe Steam joueur de la Playroom. Et moi je vous retrouve dans le prochain épisode dans 2 jours. Salut les gens!